Un point sur A8-7, je pense que. Si je perds tout à l'heure, je vais me commencer à me poser des questions si je peux gagner un titre un jour avec, ce... avec lui. Avec Alex. Ouais. Faut que je gagne pour la première fois là. Après, ça va, t'as 4 ans. Ouais. T'as le temps. Ouais, mais lui aussi, il est pas vieux. Puis qu'il est ce niveau là en ce moment, c'est super bien. Ça va être qu'un meilleur match. Mieux il joue, mieux ça sera pour nous deux. Ça fait plaisir qu'on arrive tous les deux en finale des championnats de France. C'est incroyable. Le public, il est plus chaleureux en France. Il y a toujours un peu de monde. C'est vraiment bien les championnats de France, les compétitions. Qu'est-ce que tu demandes là en fait ? Je demande le titre d'entrée sur lesquels les joueurs aimeraient bien rentrer. Féfé. On le fait jamais et j'ai envie de le faire cette année, donc on va le faire. C'est fait, je pense, la danse des canards. C'est Van Halen. Attends, je crois que je vais affiner. Ouais, c'est ça. Putain, le délire. C'est énorme. C'est la première fois ? Wouah, je suis bien. J'ai envoyé à papa, je vais. C'est jamais arrivé? Non, on m'a jamais demandé. Faut pas mettre la ville de Paris en taupe. Je me demande la même chose au frère du coup. Je suis DJ. Moi, sur quel titre j'ai envie de rentrer? Mon frère, il m'a dit un truc. Du coup, aucune idée. Un truc pour toi. C'est vrai? Qu'est-ce que tu veux? Ton frère, il m'a dit une dinguerie. Il a dit quoi? Tu veux racheter ça sur musique de l'OM. Il a dit ça? Ah, il pompe. Ouais, il m'a dit ça. Je sens que je suis pas parisien, j'ai plus la larme à l'œil. Allez. On monte tous les deux sur la musique de la LDC. Non, moi j'ai mis Jump. Musique de l'OM, s'il te plaît. Toi, la Ligue des Champions, ah, c'est pas mal. Ah, vas-y. Wow, Ligue des Champions, c'est pas mal. Ouais, ouais. Wow. Je te mets ça. Merci. Wow. C'est vrai que c'est énorme. Mais c'est bien quand on varie. Finale des championnats de France de tennis de table, messieurs, on peut vous l'annoncer, ce sera Lebrun qui va à nouveau gagner cette année. Reste à en connaître le prénom. Alexis est champion de France en titre. Félix s'était incliné l'an passé en demi-finale face à son frère, mais c'est une autre configuration avec un Félix qui en un an a beaucoup progressé également. Oui, un Félix qui a progressé, qui a pris en maturité, qui grandit forcément dans l'âge, mais aussi dans son jeu et dans son physique, et il nous l'a prouvé ce matin face à Gauzy en demi-finale où il a vraiment joué une partie extraordinaire, surtout dans son côté favori qui est le côté revers, et franchement il joue vraiment super bien, et il a eu plusieurs
comment dire, plusieurs étapes dans son championnat de France pour en arriver là, parce que bon, encore une fois, en huitième de finale sur Mathieu de Saint-Tillon, il a failli sauter à la corde, comme on dit, et malgré tout, avec des ressources mentales incroyables à son âge, il a renversé la vapeur et le voilà en finale contre son frère, voilà. Eh ouais, Félix, 16 ans, Alexis, 19 ans, et ils sont heureux tous les deux. Ils sont heureux de s'affronter, ça c'est une certitude, même ouais. Si dans quelques instants, il n'y aura plus de frères derrière la table. Tout à fait. Il y aura de toute façon un grand respect ouais. Et voilà, une complicité évidemment ouais. Très importante. Qui est là? Qui est la caméra? Pied ouvert. C'est un échauffement pour mes genoux. C'est pour stabiliser un peu le genou, pour être bien chaud. C'est juste là parce que hier j'ai eu un petit problème au genou. C'est pour assurer le coup. Pour Alexis, ça fait 4 mois qu'il n'a pas fait de match déjà. Donc 4 mois sans match, il manque de rythme. Même s'il a joué à Singapour là, il y a 2 semaines. Mais l'idée là sur les championnats de France, c'est de bah, qu'il reprenne du volume de jeu et du rythme de match quoi. C'est important pour eux en fait les championnats, enfin, ça retient vraiment à cœur. J'ai eu des discussions avec Alexis jusqu'à 1h du mat en revenant d'un stage à Ochsenhausen en Allemagne. Il m'a dit ça lui tient vraiment vraiment à cœur parce que ça reste indéfiniment. Bon allez hein, on y va là, ça se lance les championnats de France, parti là. Allez, bien sur les appuis, bien sur l'avant. Tu viens au-dessus de la table comme tu sais faire, ça n'a rien de partir dans trop de trucs différents. Commence tranquillement et comme d'habitude, si tu as besoin d'élever, bah t'élèveras. Fais-toi plaisir dans ce match, ok? Allez, fais-toi plaisir. Ok, allez, enchaîne, bien. Bien petit boy, allez. Allez. Allez, 3-1, trouve-moi du relâchement là dans ce que tu fais. Hein ? Bien. Bien, c'était mieux. Ça monte. Mais avec Mathieu, tu vas faire des gros rallyes. Par contre, ça c'est sympa, franchement. Franchement, et physiquement, il est solide, donc ça va en top sur top. Avec les fonds, il n'y a pas revers. Ouais, ça va pas. Il n'y a pas grand chose qui me gêne. C'est incroyable d'être mené 2-0 comme ça, c'est ridicule franchement. Allez, casse les couilles. Et au service, t'attends pour l'instant, il n'a pas attaqué sur une autre remise. Il n'a pas attaqué sur une autre remise, donc t'inquiète pas à vouloir tout te démarrer. Allez putain. Je n'ai pas de plaisir, je ne mets pas une balle, je peux pas jouer. Plus dans le courant, tu m'as dit tout dans le courant, t'as commencé tout dans le revers. C'était ça. Il a chaté, mais c'était ça. Tu perds 3 fois 9, j'ai l'impression. Ah, je mets pas une balle sur la table. C'était ça. Après, quand tu peux revenir, reste pas trop dans le courant. Une fois que tu l'as écarté, là, hop, reviens milieu, reviens dans le revers. Mais c'était ça qu'il faut que tu fasses. Okay. Il a chaté, mais c'était ça, mon gars. Allez, gars. C'est bien mon grand, tu sers beaucoup mieux là, hein. T'as plein de cases. Les longs dans le revers, c'est bien. Hein. Ouais.
Allez, FF1, encore, allez, service, allez, allez. Yo! Allez, grand, allez, 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 allez. Courageux mon grand, putain. 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 C'est fou ce que tu m'as fait là. C'est même plus battre dur là. Je sais pas où elle a été le chercher. À 3-0, je sais pas comment elle a été chercher. 2-0, 4-2, prends ta mort, ça va mieux. Après il perd le 7 quand même. Je sais pas comment il va le chercher. Un champion. Franchement, c'est un impressionné. Bravo à lui, il y a un autre à dire. Hein. Franchement, il a été chercher un match de mutant. Pas grand monde aurait été le chercher, je pense. 7-4, moi j'ai fait un salaud. Ok, t'es dans le truc. Bah tu sers tellement vite derrière, faute, j'étais fou. J'ai vu derrière, il y en a qui rigolent. Après, c'est derrière toi, ça a duré, je sais pas, 15 échanges. La finale de match, elle est quand même incroyable. 9-9, on fait vraiment du bien, il fait la route très vite. Parce que je voulais plus jouer les points à la fin. Ouais, voilà, c'est ce service là, celui-là. Tu l'as pas fait du match. Ouais. Allez. Là tu dis, tu vas. Là je dis, j'ai gagné là. Là j'ai gagné encore. Et après j'ai gagné 3 fois avant de gagner. Content, super content et puis ouais, l'émotion quand même, c'était sympa ce match. 3-0-5, c'est. T'as senti le public un peu qui au fur et à mesure. Ouais, quand même. Je pense que si je dis que je l'ai pas senti, il me tue, je pense. Non oui, quand même, c'est sorti. À la base, c'est un profil de joueur que t'aimes jouer ou pas spécialement? J'en avais jamais joué. C'était la première fois que je jouais un défenseur fort comme Mathieu. Je l'avais joué à l'entraînement et ça a été. J'ai gagné quasiment à chaque fois. Et, sauf qu'à l'entraînement, il n'y a pas la tension du match, donc c'est quand même différent. Et là, ça s'est mal démarré. Après, j'ai essayé de me dire que bah, comme à l'entraînement, j'avais gagné, etc., que c'était possible de lui mettre 4-7 d'affilée. Donc c'est comme ça que j'ai. C'était ça la clé en fait, c'est de te dire ça au fur et à mesure. Je pense. Parce que au début tu t'es senti un peu crispé. Un peu crispé, j'arrivais pas à lâcher mes coups. Et sur défense, si on lâche pas les coups, pour lui c'est trop facile. Donc bah c'était pas bon quoi. Et ça s'est relâché au fil du match et bah au fil des dernières balles, même dans les moments chauds, j'ai réussi à jouer fort et à être relâché. Début de la belle, je me suis dit c'est fou ce que t'es en train de faire. Et j'ai... Moi, tout là, ces garçons étaient... Non, parce qu'en fait, jusqu'à temps que tu repasses devant, en fait. Quand t'étais derrière, je me dis, allez... Non, moi, je me dis, à 7-4, je me dis, putain, je dois gagner. Et c'est ça qui fait que je me bouge pas. En fait, moi, jusqu'à la belle, j'ai encore un petit rôle, quoi. À la belle, bah, c'est toi qui... Ouais, oui, parce que de toute façon, il n'y a plus de temps mort. Il n'y a plus de temps mort, il n'y a plus de coaching, donc... Moi, je trouve ça, c'est incroyable. Le mec, je suis, il a le dos en bas, machin. Je sais pas tout à fait. En vrai, tu le sentais quand il gagne le 7 à 3 d'autres, tu perds. Je suis resté un peu tendu. Je pense que là, je vais essayer de me relâcher un peu plus sur le quart de finale. Mais ouais, c'était dur comme match. L'important, c'est de passer. Si je joue mal toute la compète, mais que je gagne le match, moi, ça me va très bien. Maximum d'inspiration, donc tu vas prendre de l'air, maintenir les poumons pleins pendant 30 secondes en essayant de visualiser là où tu as de la tension, en fait, là où tu as de l'inflammation, donc contraction au niveau du dos. Et ça, tu reprends de l'air normal et tu recommences ça. Tu essayes de faire 20 reps, c'est correct. Si tu arrives à me faire 40 fois, c'est bien. Si tu me fais 60 fois, c'est encore mieux. C'est parfait. Ok. Allez. Puis je vais maintenant. Julie qui supervise. Ouais, mais comme ça, après, tu fais-le en pleine conscience, quoi. Vraiment, ça va te faire du bien, ça. Tu peux le faire dans ton lit, hein. Ouais, bah, si tu veux. Tu mets la musique. Allez, bonne récup. Une fois qu'il avait basculé le truc, ouais. On en rétro, c'est dur pour lui. Je suis passé leur dire un petit bonjour là, mais voilà. Après, c'est aux entraîneurs de faire le job et j'ai totale confiance. Ils sont bien. Voilà, ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble. Et puis voilà, je pense qu'à partir du moment où on prend ce championnat de France comme une fête, ce qui est vraiment la fête du tennis de table français, voilà, ça fait des années que je le fais et c'est vraiment chouette à chaque fois. Bah voilà, on est content d'être là. Après,
gagnant-père, mais ça fait partie du sport. Et Alexis commence contre Esteban, donc c'est partenaire d'entraînement. Il s'entraîne, Esteban s'entraîne avec nous au centre à Montpellier. Félix va jouer Flo, Bourasso aussi, qui s'entraîne maintenant cette année à Montpellier aussi. Voilà, ils se connaissent par cœur, c'est son copain de double. Ça arrive tout le temps au championnat de France, forcément, puisque voilà, donc ça fait partie. Je pense qu'ils vont mettre ils sont amis depuis un petit moment, mais ils vont jouer le jeu à fond et puis après, meilleur gain, quoi. Ça va être un beau match, j'espère. On va donner le max. Belle victoire avant sur Irvine, donc faut pas s'arrêter maintenant, faut pas s'arrêter en chemin. Masson qui sert faute. Il sert faute, Masson. Comme ça. Esté, il est à l'ouest, Esté. Ça fait demi, ouais, ça fait trois fois d'affilée, donc c'est bien. Il assure à chaque fois un niveau et en reprenant comme ça, c'est bien, c'est chouette. Il regarde un petit peu, il est en train de s'échauffer, en train de se préparer, il a eu son kiné, plus la préparation du match. Du coup, il n'a pas trop regardé son frère qui allait vite en plus. Mais voilà, il sait qu'il a gagné et il a envie d'aller le rejoindre en demi, quoi. Bravo. Faut juste pas jouer deux fois au même endroit. Oui, c'est ça. Toujours un envers, un milieu, ou à là. Ouais. Ça part un peu. Je vais te dire service, tout le temps, service. Rythme de service, mettre de la pression de service, il va te faire attendre, mais faut que tu le mettes la pression. Puis balle de rebond, que Florian a... A attaqué un peu comme s'il pensait que ça sortait, elle n'est pas trop sortie, du coup il l'a attaqué fort, il a pris le bord de table dans le pouce, du coup il s'est ouvert un peu le pouce. Ça arrive de temps en temps, et le problème c'est que quand ça arrive, ça fait très mal parce qu'on s'engage beaucoup et on prend le coin de la table et du coup ça arrache. Là il a une petite blessure, une petite plaie quand même. Allez, on va faire un mauvais set, mais ça va en vrai. Je joue bien depuis le début du match, mais avec toutes ces... Ouais. C'est dur, il se passe bizarre. Ouais. Faut juste remettre beaucoup d'intensité. Toi, tu remets beaucoup d'intensité. Faut que ma concentration elle soit là. Puis on joue un peu là maintenant. Bravo. Wow. J'ai fait ce que j'avais à faire, il est beaucoup plus fort, j'ai saisi ma chance. J'espère qu'ils vont se retrouver en finale. Hein. Maintenant, je les côtoie au quotidien, donc je sais de quoi ils sont capables. Et maintenant, je leur souhaite plein de bonheur et plein de bons matchs et on espère les retrouver en finale. Elle est à 14. Elle est à 14. C'est pas comme l'autre. Ah oui, ça va. Par contre, prends une serviette et tout. Enfin, j'ai rien. T'as pas de serviette. Non, mais t'as pas... Bah, elles sont sales, c'est sûr. Allez, c'est bon, commence pas à balancer des disquettes là, deux balles. Wow. Ouais, moi j'ai ma serviette de Nick. Vas-y, je le fais avec toi, tu sais quoi, je le fais avec toi. Et trois fois, vous faites 3 fois 8 minutes. Que, pas, c'est... Faites, non, 8 fois 3 minutes et 1 minute dehors, 3 minutes dedans, 1, 3. Ouais, très content, hein, je suis très content du simple et puis on va aller chercher demain. Avec l'ambition. Bah ouais, on va essayer d'aller chercher un nouveau titre. Bain froid, récup. 3 minutes dedans, 1 minute dehors. Elle doit être ils ont dit quoi, 14 degrés? Ils ont dit 14, ouais. 14, c'est pas si froid que ça. Non. Est-ce qu'il y en a un qui a une meilleure résistance que l'autre? Oui, moi. Moi, je crains pas du tout froid. Mais. Lui, il est nul. Lui, il est nul. Ah, nul. En plus, j'ai un super 4. Est-ce que vous nagez ou... Non, bon, l'eau. Juste les jambes. On va voir. Oh là là. C'est à peu près quand même. Tu te pêches un peu là? Waouh. Vas-y, t'as pris gagne, regarde. Après on va manger, après on fait un peu de switch je pense et après on dort. Classico. Un peu de switch quand même pour profiter. Ah oui quand même. Je t'éclate à Mario Party. Jouer avec Sohan à haut tennis, c'est pas très dur. Mais pas ouf. Non, c'est pas.
Mais bon, il y avait une grosse réduction. Ouais. Il Laura. Coûtait 5 euros au lieu de... Laura. au lieu de 60. si tu vois que ouais, j'ai pas ouf, ça donne envie. Apprendre. Je suis d'accord. Je l'aurais pris en fait, je me suis dit, quand j'ai acheté, je me suis dit, pour 5 euros, c'est un bon jeu. Ouais. Pour 60. Pour 60, c'est pas un bon jeu. Tu joues à quelle heure? Midi 40 ou midi. Tu pas. Voudras t'échauffer à quelle heure? Une heure et quart avant, avec des pauses. Ok. Juste après le match, après le match d'Alex, ça reste plus qu'un match. Merde. Ah, ils font d'abord les filles et après... Filles, garçons. Ok, bah... Pendant le match d'aller, ouais, ça fait un peu chier. Oui, non, mais moi, je t'échauffe, hein. Pas de soucis. Ouais, bah, on va commencer pendant le match d'Alex avec des pauses et tout, et ça va le faire. Vas-y. Moi, de toute façon, je pense que je viendrai à la salle vers 10h. Et tu l'as, ton jeu, là? Bah, il t'a ramené quand même. À demain. À demain. Ciao. Bah, on a fait les championnats du monde par équipe ensemble, donc je me suis pas mal entraîné avec lui. Bah, c'est un très bon joueur, il a un bon fond de jeu, il tient bien la balle en top. Après, je pense que j'ai des trucs qui peuvent le gêner, donc bah, on verra comment ça se passe. Il joue en équipe de France avec, donc en fait il a fait les championnats du monde avec, en fait il le connaît un peu, même si bah, il a joué juste avec l'entraînement, donc je pense qu'il est juste content de pouvoir le jouer, et voilà, on verra bien. S'il est dans la bonne dynamique, derrière ça va dérouler. Je pense qu'Alexis est quand même plus fort, donc il suffit, s'il est dans la bonne, dans le bon mood, ça ira. Là, je mobilise son coude. On est en prévention un peu de gêne, de douleur, parce qu'Alexis a une pathologie au coude qui a créé des déficits en fait de flexion et d'extension. Donc on optimise toujours le mouvement un petit peu avant la compète. Pépite, hein, on va pas se mentir, ils font une avancée au niveau international juste folle, je pense que c'est du jamais vu au niveau européen peut-être, et qui est deux frères qui jouent à ce niveau-là, et en plus ils ont en France aussi des marges de progression énormes, que ce soit Félix ou Alexis, mais franchement bah, c'est top pour le ping français forcément de voir bah, des jeunes comme ça briller déjà aussi rapidement au niveau senior, ça donne envie de faire pareil. Pour la première demi-finale du tableau, c'est ça, deux rebonds milieu, il démarre tout de suite milieu. Remise courte qui redonne à chaque fois. Ouais, c'est simple. Qui redonne. Il n'est pas agressif sur la remise courte. Ce que j'ai mis, il est bon, mais il est bon, mais il va te la maintenir courte et voilà. Celle-là, c'est là où il faut que. Pas que tu fasses comme. Ouais, soit tu le fixes, pas que tu redonnes. 1, 2, très bien, devant. 1, 2, je veux que des lignes d'épaule aujourd'hui. Que de l'épaule. C'est les épaules qui font gagner ce match. Hein. Dernier. Bien, relâche. Le coup préférentiel d'Alexis, c'est prendre la balle tôt en revers et d'envoyer. Allez, premier set pour Alexis Lebrun. Il va falloir bien analyser hein, du côté de Jules Roland. Allez, allez, ce boost Alexis. Alexis Lebrun qui remporte ce troisième set 15 à 13. Voilà, et bien le champion de France en titre qui mène 3-7-1 face aux joueurs de Torigné-Fouillard. Et pour la première fois quasiment, il a vraiment mené du début à la fin. Il l'avait fait aussi dans le premier set. Et oui, encore un bon service du revers. Magnifique point pour terminer, on retrouvera en finale hein, le champion de France en titre.
On saura tout à l'heure s'il sera à nouveau confronté à Simon Gauzy ou pourquoi pas à son frère Félix. Bravo Alexis, il a été solide, il a été de plus en plus régulier. Il est heureux parce qu'il repart en finale, il va défendre son titre cet après-midi. Et... C'est vraiment de mieux en mieux, il monte vraiment en puissance. J'espérais ça, je l'avais dit sur le premier match. Et là, on est vraiment sur ça, donc c'est vraiment génial. C'était un match dur, surtout au début, il m'a bien gêné. Je servais beaucoup lifté et c'était pas le jeu. Donc après, j'ai changé, j'ai servi plus à base revers et service coupé. Donc je pense que c'est ça qui a fait la différence à partir du quatrième set. J'espère que Féfé va gagner. Ça va être un gros match. Simon joue très bien, donc ça va être un beau match en tout cas. Okay. Est-ce qu'on espère une finale trop tard ou l'objectif c'est aller de rechercher le titre? Le titre avec une finale entre frères. Comment tu te sens? Ça va. Un beau challenge. C'est le terme, j'ai l'impression. Bah oui. Un joueur qui bat des top 10 régulièrement maintenant. Donc, pour la première fois depuis 10 ans, je suis pas favori sur une demi-finale, donc on va essayer d'aller chercher la finale. Vous connaissez un petit peu? Un petit peu quand même, bon, même si ça fait pas longtemps qu'il est sur le circuit, on s'est quand même pas entraîné quelques fois sur les compètes ensemble. Mais bon, on a 12 ans d'écart. Est-ce que c'est un avantage? Bon, on pourrait croire qu'il a l'avantage sur beaucoup de joueurs, qu'il a pas l'avantage sur beaucoup de joueurs, il est bas donc. Je me sens bien, je me suis chauffé là un bon trois quarts d'heure, je me sens prêt pour le match, j'ai hâte de commencer. J'ai déjà eu des gros matchs, mais j'espère que ce sera encore un super match et que ce sera plaisant pour tout le monde, les joueurs et le public. On courra très vite, c'est super de rajouter. Ok, après sur le plan qu'on a dit, hein. C'est plus milieu, temps en temps, si tu vois qu'il est bon en revers, il y a beaucoup l'adresser. Quoi. Ouais, être impressionné. Ouais, le faire couler. Faut pas être impressionné s'il est très agressif dès le début. Tu sais qu'il va vouloir jouer là-dessus. Okay. Allez, comment? Vraiment, allez. Tenez, bravo. Yes. Parfait par rapport à ce qu'on avait dit. Franchement, très bien, tout a bien marché en plus. On continue là-dessus. Continue à mettre de l'impact. Bravo, super, ça c'est bien. Yes, bien, bien. Allez, fais bien, hein. Encore agressif. Hein. Allez. Yo, allez, come on. Allez, les gars. Yes, Steph, allez, allez, allez. Continuer là-dessus, c'était très bien. Prendre la place pour pouvoir impacter, c'est vraiment ça le but. Il faut que tu aies du temps, avec des dorbons, avec des très longs milieux pour qu'il fasse doucement et là tu puisses te faire mal. Okay. Et de temps en temps, tu joues vite. C'est toi qui domine. Ouais, c'est toi qui domine. Ok, et au service, pareil. Mets beaucoup de pression au service. Okay. Allez, 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 allez. Allez. Comme tu dis, tu domines, hein, donc. Tranquille, c'est ce que tu dois faire. Hein. Juste pas remettre long dans le revers, tout le temps pareil. C'est la même. Allez. Allez là, propre, sacré match.
Même le club que tu perds, tu domines de ouf. Bravo, mission accomplie. Allez, à vous de jouer les gars. Merci. Chômage technique. Ouais, super match. Même le SQG, même le set qui perd, je trouve qu'il domine bien et plus fort quoi. Enfin, il domine. Franchement, je pense qu'il le gêne beaucoup sur son système de jeu. Ce que fait bien Simon, il l'empêche de le faire, Félix, donc c'est parfait. Top. Finale 100% le Brun, donc le taf est fait, le boulot est fait, maintenant c'est à eux de se faire le meilleur match possible. Quoi. Merci. Super content de gagner 4-1 comme ça, un super match pour moi. Je pense que j'ai réussi à dominer le match de A à Z, même si le set que je perds, je menais aussi. Donc je suis super heureux de mon niveau et j'espère qu'en finale, je pourrai reproduire la même chose. C'est assez fou, j'ai hâte d'y être et j'espère que cette fois, je vais réussir à gagner. Pour la première fois. Et il est où le sac de bouffe? Il est toujours dans les tribunes. Tu l'as vu aujourd'hui? Non, aujourd'hui, je suis pas allé. Je l'ai pas vu non plus. Il est toujours en bas. On n'a qu'une défaite ensemble. Ensemble. Qu'une défaite, ouais. Ah mais ça compte pas ce match-là, j'ai pas préparé ce match-là. On l'a pas préparé. Quand je poussais long revers, c'était dur. Hein. C'est pour ça que j'ai perdu le set à la fin. Ouais, c'est sûr. Combien, 4 ou 5? Ouais, j'ai craqué, j'en ai fait trop. Surtout qu'il y a 17, tu l'as fait long dans le revers. Je la loupe, après il y a 4, 13, 13, je la reloupe. 3 balles de set sur ton service. Ouais, mais je trouve pas que je les ai si mal joués en soi, mais... Non, c'est pour ça qu'un 0-19, j'y pense. Il a fait des sacrés points hein, au deuxième set. Ouais, j'y pense, mais un 0-19, je pense pas que ce soit le jeu de prendre ton marque. Je sais pas quand tu surdoues. Moi, j'y pense pas à 19, j'y pense à 13-12, mais je me suis dit, franchement... 13-12, c'est lui qui a mal de set, non? Bah, 12-11 alors, mais je me suis dit, dans les avantages, pas 17-19. Non. À 2-1, 8-3, 8-6. Ouais, je crois. C'est toi qui sert. Ouais, mais... Ouais. Si tu perds un point sur ça, à 8-7, je pense que tant mieux. Si je perds tout à l'heure, je vais me commencer à me poser des questions si je peux gagner un titre un jour avec lui. Avec Alex? Ouais, faut que je gagne pour la première fois là. Après ça va, t'as 4 ans. Ouais. T'as le temps. Ouais, mais lui aussi, il est pas vieux. Pas content? Bah oui, enfin, on peut pas être plus content là de gagner comme ça sur Simon, c'est vraiment bien. C'est ce que tu t'étais au moins fixé d'arriver en finale? Je m'étais fixé, bon, je me fixe pas vraiment, moi je suis pas très objectif direct. Après, je voulais venir avec. Enfin, dans ma tête, c'était forcément d'aller chercher le titre. Mais je suis très content d'être en finale. J'y suis allé après match par match, j'étais très content d'être en demi aussi. En passant le 8ème, c'était pas facile, donc non, c'est très bien d'être en finale là. Ah moi j'ai mal au genou là. T'as pas fait la respi encore? Non, pas encore. Bah là, c'est bon moment là, super. C'est blindé de monde. Le R1, mon royaume débrief. Un mot sur votre de Simon, une photo. Un mot sur votre demi, Félix Lebrun, Simon. Écoutez, j'ai déjà joué avec Soucy, Longao, ma longue est sans JK, mais jamais les 4 en même temps sur un seul match. Il est fort lui hein. Il sort toujours des trucs. Il arrive toujours à décaler le. Et t'es jamais méchant. Non, c'est toujours drôle. C'est toujours drôle, bien passé. Après, je me suis mis à la couper milieu. J'ai remis le coup, tout droit, c'était relou. En coup droit, il est relou. T'as regardé sa demi, effectivement? Ouais, en live là sur la télé. Alors? Bon, il a bien joué. Il a été solide. Très tôt, il l'a pris de vitesse, c'était fort. Le 1 et 3 à mousson. Ouais. Après, bon, les 3 premiers, je serre un peu trop lifté. Le premier, je fais 5 grattes, donc je gagne quand même. C'est bien passé. Ça, faut le prendre à la caméra, hein, que je suis en train de plier et tout. Voilà. Un étranger organisé. C'est pas ton linge qu'il faut plier, c'est ton frère. Hein. Allez, pour la caméra, merci. Si jamais. En fait, c'est sinon, il y a personne qui les avait en fait après.
stable. T'es de plus en plus stable, le revers ça bouge, tu bouges de mieux en mieux dans la zone coup droit, tu prends les pivots. Ouais. C'est beaucoup mieux qu'au début de la compète. Ça se règle. Ça c'est un bon coéquipier de club ça. Et dimanche des France, il va se faire du service pour préparer Bruel. Mardi ça. Est-ce que vous enchaînez là? Ouais, on part match de pro mardi, jeudi, samedi, dimanche. Et encore mardi je crois. Et après on part en Chine mercredi. Donc ça va être du sport. Ça fait quoi le fait d'avoir cette cadence? Bon, c'est cool, moi ça faisait 4 mois que j'avais pas joué à cause de mon genou, donc je suis content de reprendre. T'avais envie de réenchaîner les matchs? Ouais, à mort. Comment tu vas là? Là t'as une petite routine à toi? Ouais là je vais prendre mon temps, ensuite on va taper un peu la balle, je vais m'échauffer un peu physiquement, et puis bah, après on va taper la balle avec Félix. Le match. Il n'y a rien de mieux que t'échauffer avec lui en fait. Bah ouais, ça veut dire qu'on est plus que nous deux, donc c'est bien. Ça veut dire qu'on est allé le plus loin possible et qu'on se rencontre. Bah là en plus c'est sur le dernier match de la compétition, donc on ne peut pas arriver mieux. Au début là ça a été pas évident, parce que Féfé il arrivait très épuisé, très fatigué, un peu mal de dos. Et puis quand t'as cet état un peu d'épuisement, ça se répercute un peu dans son corps. Et là il nous a fait une bonne contracture dans le dos en fait. Donc manque de mobilité, raideur, donc voilà, il arrive en compète un peu sur les rotules quoi. Donc il fallait leur quinquer pour repasser les étapes. Donc quand on voit qu'il est en finale, c'est chouette, on a réussi à remonter. Et puis Alex, ça c'est royal parce qu'on revient de blessure. Donc on est ravis que ça se passe bien. On est on a agi plus 4 mois là de la post-blessure. Donc on est dans des temps très raisonnables. Et de le voir aussi arriver et de se faire plaisir dans la compète qu'il aime. Ouais, c'est beau, c'est satisfaisant de les voir tous les deux en finale, c'est chouette. Je suis sûr qu'ils vont se mettre à fond tous les deux. Moi, c'est chouette parce que je les vois s'échauffer ensemble. Et puis quand ils vont rentrer dans le match, ils vont se faire un petit combat, comme on dit. Voilà. Et puis 10 minutes après, il y aura forcément un déçu et un qui sera content. Mais je sais qu'un quart d'heure après, voilà, ils seront contents de monter tous les deux sur le podium. Ah, franchement, ouais, finale entre frères, voilà, c'est top. Les balles, c'est les mêmes que les demi. T'avais bien choisi. C'est Simon qui avait tout choisi. Oui, il choisit bien. Tiens, moi, c'est à toi. C'est quoi pour vous? Chambre d'appel, vestiaire, et après on va au match. Merci. Un, de Netto. Allez, hein. Force est fait. Force est fait. Deuxième morceau, quoi.
La tête de série numéro 1 tenant du titre dans le tableau simple des yeux, 28e joueur mondial à 19 ans, Alexis Lebrun. Mental incroyable à son âge, il a renversé la vapeur et le blanc en finale contre son frère, voilà. Eh ouais, Félix 16 ans, Alexis 19 ans, et ils sont heureux tous les deux. Ils sont heureux de s'affronter, ça c'est une certitude, même ouais. Si dans quelques instants il n'y aura plus de frères derrière la table. Tout à fait. Il y aura de toute façon un grand respect ouais. Et voilà, une complicité évidemment ouais. Très importante. Et Alexis qui est super heureux d'être en finale parce que bon lui il revient de blessure. Le plus jeune champion de France senior. C'est fait, il gagne, c'est lui. Là, sinon, c'est Tristan. 17 ans. Tristan. C'est Tristan, c'est J3, je crois. Tristan et... Ah bah ouais, voilà. Ça commence très fort. Ça commence très fort. La vache, ouais. Avec cet échange. C'est parti. Rapide. Puissant. Oh, oh, cette balle d'égalisation a disparu. Oui, il bouge pas de la table et il fait un contre-top à la chinoise là. Bien joué. Allez, première manche qui tombe dans l'escarcelle du plus jeune des deux frères, Félix Lebrun qui remporte ce set 12 à 10. Ouais, Félix. Ah, il y a de l'ambiance là, hein, dans l'Azur Arena. C'est complètement fou. Allez, un set partout dans cette finale 100% Lebrun. Quel point. Magnifique! Quel échange! Félix qui prend la balle tôt, qui manque encore un tout petit peu de puissance, mais ça va vite quand même. Et son frère, très adroit, à distance, qui remet avant de repartir avec un topspin du revers. Certes, avec un peu de chance, mais c'est fabuleux. C'est... Allez, 17, 3 balles en faveur d'Alexis pour mener 2 manches à 1. Voilà, c'est fait. Il mène 2 manches à 1, l'aîné des deux frères Lebrun. Avec la bonne longueur. Et voilà, un troisième set pour Alexis qui mène 3 à 1. Ouais, c'est bizarre parce que j'ai du mal à... Un set, je suis pour l'un, un set, je suis pour l'autre. J'ai du mal à... Après, ça joue très 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 bien. Je trouve qu'Alexis joue beaucoup mieux que dans le début du tournoi. Félix il a fait déjà une sacrée demi-finale, mais là Alexis il a augmenté son niveau de jeu et on sent qu'il y a un impact un peu par rapport à Félix. Là Félix il sent qu'il s'est tendu, il a raté 2-3 petites occasions et il sent qu'il passe un peu à côté quoi, et il est un peu dans le dur là. 2-3 échanges vraiment de très très haut niveau. On n'a pas l'impression que c'est le même sport que sur les autres matchs de la compétition. Ce niveau là, et lui s'appuie sur cette balle. Oh là là. Félix il en rigole parce qu'il se dit qu'est-ce que je peux faire. Qu'est-ce voilà. Que je peux faire. Et là il est face à un grand Alexis. Oh bravo. Bravo. Ouais. Franchement c'est bien joué de sa part. Allez, un petit barreau d'honneur, Félix. Oh. Et là, ça fait 5 balles de match pour Alexis Lebrun. Et voilà,
Victoire et belle émotion d'Alexis Lebrun qui revient au plus haut niveau et qui réussit la performance de conserver son titre national. Ouais, deux fois champion de France, coup sur coup, c'est fabuleux. Bravo, hein. Et c'était un beau spectacle en plus. Hein. Et ça va lui donner beaucoup de force pour revenir au plus haut niveau international. C'est beau pour lui. Merci à tous les internautes et tous les téléspectateurs d'avoir participé à ce superbe championnat de France. A bientôt Stéphane. A bientôt, ciao. Incroyable, vraiment, j'ai fait un super match, je suis super content, c'est fou. C'est vraiment fou. Mission réussie. Ah bah ouais, là c'était un très bon match, je suis vraiment, vraiment super content, j'ai pas les mots. Du niveau de jeu qu'ils ont fait à un moment donné, après c'est sûr quand Alexis est passé au-dessus, c'était compliqué pour Félix, comme je disais c'est grand frère donc c'est compliqué, c'est plus les soucis qui sont liés quand le grand frère joue sur le petit frère, c'est jamais simple. Par contre pendant 3-7 ou 4-7 on a vu un niveau qu'on voit dans les tout meilleurs mondiaux, donc c'est chouette. Et évidemment quand si Alexis passe devant, après c'est dur pour Félix. Il n'a pas réussi à tenir, il a eu des occasions et puis voilà, il fallait qu'il reste devant un petit peu pour tenir un peu plus longtemps parce que il n'a jamais battu donc pour lui c'est difficile. Mais c'est partagé, évidemment c'est dur pour Félix, je suis heureux pour Alexis, c'est partagé. Voilà, tout de suite, là je suis déçu mais je suis quand même content d'être allé en finale. J'aimerais bien qu'il ne soit pas là. franchement il joue super bien, c'est vraiment bien pour lui. Qu'il ait réussi à revenir de blessure aussi rapidement, c'est fort. Et je suis très content pour lui, même si là tout de suite, j'aurais préféré que ce soit moi quand même. Toujours en présence de Gilles Herbe, président de la Fédération française de tennis de table. Je crois qu'ils sont prêts, on est dans le tunnel d'entrée sur l'aire de jeu qu'ils ont fréquenté tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît, place à la cérémonie protocolaire des championnats de France. Tableau simple, messieurs. Ils ont monté leur niveau de jeu, ils ont proposé un match de folie et... C'est une récompense aussi après tant de mois post-blessure, ça fait du bien. Et puis vivement la suite. Super content, c'était incroyable, vraiment un super week-end, ouais super bien. La partie d'un niveau de jeu incroyable, un nouveau titre, un doublé. Ouais, on peut pas rêver mieux, c'est incroyable, je suis vraiment super content de ce week-end.